Bonjour. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ces paramètres de langue ont été détectés sur votre système. Sont-ils corrects ? Eh bien, salut à tous, c'est Marchat. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un let's play sur Detroit Become Human. Alors, donc ce sera l'épisode, bien sûr, numéro 0, parce que voilà, je pense qu'au début, ça va être une phase d'introduction, donc pas vraiment la phase historique du jeu. Alors, c'est pour ça que, justement, donc aujourd'hui, on va commencer. Donc, on va laisser, donc bien sûr, la langue française, les langages des textes en français, bien entendu. Attends, j'ai une idée qui me gratte. Sous-titre, oui, et taille du sous-titre en petit. Hein, on va pas, ouais, en petit, c'est très bien. On va pas faire trop grand. Sauvegarder les modifications, oui. Ajuster vos paramètres d'écran. Alors donc la luminosité, on va la mettre à, on va la mettre à 40. Je pense que c'est pas trop mal. Attention, sauvegarde, ok, vas-y. Merci. Sélectionnez votre profil. Expérimenté, occasionnel. Bah, je vais mettre occasionnel parce que c'est la première fois que je joue au jeu. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commencer les trois. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. À mon avis, il va falloir garder cette phrase-là en tête parce que ça pourrait être intéressant. Le négociateur vient d'arriver. Ok, alors là, bon, ça marche. Vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Trouver le commandant Allen. Ok, on va essayer d'aller trouver le commandant Allen. Maintenir 2 pour consulter vos objectifs. Alors, ok, trouver le commandant Allen, donc il est là. Oh, commandant Allen, calmez-vous, bordel de merde. Ah, c'est toi le boss, non? Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le bord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Alors, nom du déviant, comportement du déviant, choc émotionnel, code de... Ok, on va prendre nom du... Connaissez-vous son nom? On va commencer par le commencement. Ça change quelque chose. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Comportement du déviant, choc émotionnel, on va voir le comportement. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde. C'est moi qui m'en occupe. Probabilité de réussite 48%. Pas trop mal. Franchement, pour une première, c'est pas trop mal. On a moins de la moyenne, c'est sûr, mais au moins, on a plus. Voilà, on n'est pas très très loin, quoi. De. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Utilisez le joystick droit pour déplacer le curseur. Hop, je crois que j'ai trouvé un indice. Black Hawk, MS-853, capacité 17 balles, ok. Munition de calibre. Ok, je crois que là j'ai tout trouvé. Alors, utiliser L2 ou R2 pour voir la reconstitution. Ok. Le déviant a pris l'arme du père, ok.
Ok. Probabilité de réussite, 51%. Ça va. Ça commence à remonter. Comprendre ce qui s'est passé. Fouiller la chambre de l'otage. Ok, comprendre ce qui s'est passé. Ça marche. Ouais, on va fouiller la chambre de l'otage. Bon, ok, jusque-là, on est bien d'accord. Hein, il est bien décédé. Blessure par balle de calibre 9 mm, ok. Bon, et lui, il a pris cher. Lui, il a pas été gâté par son meurtrier à première vue. Alors, le père tenait quelque chose. Ok. Ah, j'ai trouvé un autre indice là-bas. Ok. La première vue sur une tablette. Les devis vont être remplacés. Alors, à première vue, ce serait le droïde justement du gars qui a su qu'il allait être remplacé. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a voulu éviter cela. Chaussures d'enfant, ok. Ça va, on a bien augmenté 63%, c'est pas trop mal. Alors attends, j'ai un truc à analyser ici. Donc c'est un modèle en fait sous ce modèle-là en fait, parce que l'autre c'est un, lui c'est un LP 700, l'autre c'est un LP 600. Je pense qu'il a pas dû accepter. Oh, tu me fais peur. Ouais. Ah bah ouais, attends les mecs, ils font chier là. Vous pouvez vous déplacer et parler en même temps. Ok. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je veux pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Qu'est-ce possible? Remplacé par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. On va essayer de faire les choses bien. On va essayer de bien négocier, les gars. C'était que leur souhait. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. On va rester compatissant. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non! C'est pas ma faute! J'ai jamais voulu ça! Je les aimais! Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres!
Parler... je sais pas trop quoi faire, on va parler à l'otage. Tout va bien, Emma ? S'il vous plaît, aidez-moi ! Je vais pas mourir, je vais pas mourir ! Personne ne va mourir ! Reste calme, tout va bien se passer ! C'est pas facile, parce qu'en fait, chaque décision compte. Et c'est chaud, hein. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Accepter, on va dire... On va essayer de le mettre en confiance. Voilà, comme tu l'as demandé. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. D'ailleurs, et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Alors se sacrifier, trouver un compromis. On va trouver un compromis. Parce que on va pas trop lui laisser le choix non plus, tu vois, si on lui laisse trop de choix après il va prendre la grosse main et là ça va être chaud. Je veux pas mourir. On va le rassurer. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Ah, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Bon, mission accomplie, c'est déjà pas mal. Par contre, j'avoue que le SWAT, ils ont pas géré la chose, hein, parce qu'ils auraient pu juste l'arrêter, puis à la limite le tuer sans que la fille soit là, quoi. Mais bon. Par eux, ils ont d'autres principes, tu vois. Voici l'arborescence donc de la scène. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ce qui reste à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements, dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de l'arborescence. Ok. Des snipers sont abattus de... Ok, ça c'est fait. Stat du monde, afficher la légende. Ok. Ok. Ouais, c'est chaud quand même. T'imagines toi un jour, t'as vraiment ça. Je pense que ça va être une belle histoire. À première vue, tu vois, je pense qu'il y a moyen que ce soit sympa à faire comme let's play. Dites-moi hein, si jamais vous avez d'autres jeux en tête ou quoi que vous voudriez que je fasse. Ça peut être tout, hein. Après faut voir un petit peu l'histoire comment elle se déroule, mais voilà, si, elle peut être, si c'est une histoire intéressante qui accroche etc, pourquoi pas. Alors donc là ok. Voilà, il nous faut un petit peu voir toute la ville. Hein. En tout cas, c'est vrai que le jeu est beau. Hein. Franchement, il est vraiment bien fait. Hein.
Donc 5 novembre 2038, 9h38 et 7 secondes. On va voir comment ça va se dérouler. Alors ok, on a lui. Se rendre à la boutique de Merlin, je crois que c'était ça. Ok. Alors pour l'instant je peux pas courir à première vue. R2 pour utiliser le GPS. Ok, donc on a 58 mètres. Ok, donc c'est avec lui à première vue qu'il faut chatter. Non, pas du tout. Ah voilà, c'est... Ah non, c'est Bellini. Ok. On va y aller. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Ok. On peut noter qu'ils se disent plus bonjour maintenant, les gars. C'est... Commande machin, paiement confirmé, allez, ça dégage. L'arrêt du bus ne se trouve pas par là. Ah d'accord, ok, faut que j'aille vers l'arrêt du bus, ok. Qui se trouve à 74 mètres, oh putain. C'est long quand tu peux pas courir. Ok, c'est là-bas que ça se passe. Ouais, c'est pas content, là. Ok, total de points, donc 540, donc ça je pense que ça va être utile pour l'arbre de compétences, je pense. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours aussi plaisir. C'est vrai que l'introduction était assez longue. Après, c'est un jeu qui est lié sur des enquêtes, donc je pense qu'à mon avis, ça va être plus basé là-dessus. Après,
Je pense qu'il va quand même y avoir de l'action. Hein. Je sais pas, j'ai vraiment pas joué au jeu. J'y ai joué, je pense, à la Paris... bah, je crois que j'avais joué à la Paris Games Week en 2018. Donc pour vous dire que ça monte un petit peu. Donc voilà, bah, écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode numéro 2. Voilà, de... non, l'épisode numéro 1, pardon, excusez-moi, parce que c'est vrai que je passe sur l'épisode numéro 0. Sur ce, je vous laisse, passer une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la fois prochaine.